Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le penultième dimanche après la Trinité. Le thème pour notre culte et pour les lectures d'aujourd'hui seront le jugement de Dieu qui est à venir. Nous commençons notre enregistrement avec l'introïde prévue pour ce jour. L'Éternel vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Je tends les mains vers toi, je soupire après toi, comme une terre assoiffée. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Excite, nous t'en supplions, ô Seigneur, les mouvements de la volonté de tes fidèles, afin que, portant en abondance les fruits de bonnes œuvres, ils obtiennent de toi une abondante récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans la prophétie de Daniel au chapitre 7, les versets 9 et 10. « Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête parés à la laine pure. Son trône était de flamme, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'Épître dans Hébreux 13, les versets 20 et 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc au chapitre 13, les versets 1 à 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtront que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. » Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le livre de Daniel s'ouvre à l'époque de la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, au début de la captivité à Babylone. Au chapitre 2 de ce livre, le roi Nebuchadnezzar eut un rêve et demanda au prêtre chaldéen de le lui interpréter, sans révéler le sujet de son rêve. Les prêtres n'étant pas en mesure de répondre au roi, il ordonna que les sages soient mis à mort. Daniel s'adressa à l'officier du roi et reçut du roi son approbation pour lui révéler l'explication. Il revint auprès de Nebuchadnezzar et dit au roi, « Il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. » Daniel expliqua que le rêve avait présenté une grande statue qui représentait quatre grands royaumes. Le règne actuel de Nebuchadnezzar, suivi par trois autres qui allaient venir. Le royaume des Mèdes et des Perses, le royaume grec et le royaume romain. Puis, Daniel conclut, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Dans ce dernier verset, Daniel parlait du royaume de Christ. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Son règne est éternel. On peut parler des trois règnes de Dieu. Le règne de pouvoir, c'est-à-dire qu'il possède toute autorité sur la terre et qu'il œuvre à travers les gouvernements du monde. Le règne de grâce, autrement connu comme étant l'Église, celle-ci étant son règne dans les cœurs et les âmes du peuple de Dieu et à travers sa parole. Et finalement, il y a son règne de gloire. Depuis le ciel et pour toute éternité, il règne sur toute la création et tous les royaumes de ce monde lui sont assujettis. Jésus est le Fils promis de David. C'est lui qui avait été révélé à David quand il a voulu faire construire un temple pour Dieu à Jérusalem. En parlant du Messie, Nathan dit à David, « Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. » Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Alors pour Daniel et pour les Israélites qui vivaient à l'époque de la destruction du temple et de la chute de Jérusalem, la vision du règne de Dieu au-dessus des royaumes de ce monde aurait été une grande source de réconfort et d'espérance. Même s'il ne voyait pas de roi de la lignée de David à Jérusalem, ils avaient la promesse. Ils avaient le rappel que Dieu régnait depuis le ciel. Cette introduction permet de mieux comprendre le contexte de la péricope de l'Ancien Testament.
Le chapitre 7 du livre de Daniel fonctionne comme la charnière d'une porte. La première moitié du livre racontant les événements historiques et la deuxième moitié présentant le contenu de sa prophétie. Le début du chapitre 7 reprend le thème des quatre grands royaumes de l'Antiquité. Cette fois-ci, c'est Daniel qui eut la vision. Il vit des bêtes énormes qui sortaient de la mer. Plutôt que l'image d'une statue noble, la vision des bêtes faisait comprendre que les quatre royaumes de l'Antiquité étaient menaçants et violents. Ils s'opposaient à Dieu. Et ces royaumes allaient être jugés par lui. De la même manière que Daniel avait dit au roi babylonien que Dieu lui-même allait établir son règne à travers le Messie, il eut une vision du royaume de Dieu. Daniel écrit, « Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. » Dieu, le Père, est l'ancien des jours. Car au verset 13, Jésus est décrit comme étant le Fils de l'homme, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme, est venu avec les nuées du ciel. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors nous comprenons que Jésus règnera sur toute la création. Quant à la description de l'Ancien des Jours, ses vêtements et ses cheveux sont blancs, une indication de la pureté de Dieu. Le texte présente l'image du juge en disant que son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. La présence des roues implique que l'Ancien des Jours se déplace pour être parmi son peuple. Et le feu fait penser au jugement des malfaiteurs. Et en particulier, ça fait penser au jugement des quatre empires. Ce n'est pas Dieu seul qui juge, mais les saints de Dieu jugeront le monde. Le texte dit « Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. » Les juges, au pluriel, les juges se sont assis. Et les livres ont été ouverts. Dans ce texte, il s'agit du jugement des royaumes de l'Antiquité. Mais ce texte nous parle aussi. Ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde seront jugés pour leurs actes d'injustice. Les puissants qui essaient de retenir la proclamation de la parole de Dieu seront condamnés. Les abus de pouvoir ne seront pas supportés pour toujours. Le jugement au dernier jour n'est pas seulement une menace pour les malfaiteurs, mais devrait être compris comme étant une source de réconfort pour vous, le peuple de Dieu. Dieu, selon sa justice, justifie ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus règne sur sa création et l'un des reines est sa reine de grâce. Il n'est pas indifférent à votre situation. C'est lui qui justifie. Cela dit, il faut revenir sur la phrase qui dit « Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts ».
Dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de l'ouverture des livres comme étant la source de jugement contre tout péché et contre tous les morts. Il écrit, « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. » Les livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y aura un jugement au dernier jour et une vraie punition pour les gens qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus et qui l'ont rejeté. Pour les gens qui avaient un comportement qui manifestait une opposition à la volonté de Dieu. Jésus, dans la conclusion de la parabole des talents, achève en disant, « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est à cause du jugement que nous prions pour le salut des gens et nous parlons du pardon offert par le Christ, afin qu'ils mettent leur confiance en Jésus, lui qui a été crucifié et condamné pour le péché du monde, pour que le pardon soit offert gratuitement à tous. Jésus est la seule façon d'échapper au jugement à venir. Pour le chrétien, le jugement au dernier jour ne devrait pas être une source d'inquiétude. Ils ont la promesse que Jésus est mort pour eux. Tous les chrétiens entreront dans l'état béni, selon lequel ils seront libérés du péché, de la mort et de tout mal. Ils auront tous la joie de leur communion éternelle avec d'autres chrétiens et avec Dieu. Il n'y aura pas de limite quant au bonheur. C'est le jour où, par le sacrifice de Christ, tout le monde saura que vous avez été pardonné. Ce que vous faites pendant votre vie n'est pas la source de votre salut. Jésus est votre sauveur. Cela dit, il y aura des niveaux de gloire en fonction de vos œuvres et de votre fidélité. Par exemple, dans la parabole du grand banquet, l'hôte dit à l'un, « Mon ami, monte plus haut. » Et dans la parabole des talents, celui qui avait été fidèle a reçu plus en fonction de sa fidélité. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son cœur. Toutes vos œuvres seront jugées. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Si on parle de l'ouverture des livres qui révèlent le bien et le mal, il faut aussi parler du livre de vie. Au chapitre 12 de la prophétie de Daniel, nous avons cette promesse. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui croient en Jésus y sont inscrits. Jésus dit, « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. »
et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Le livre de vie de l'agneau est le livre dans lequel sont inscrits vos noms. Vous qui avez été baptisés, vous qui mettez votre confiance en Jésus, vous qui cherchez le pardon à faire gratuitement. Jésus a été crucifié et a supporté la punition que vous méritez. Il est mort pour que vous viviez, et pas juste pour cette vie, mais éternellement. Vous avez reçu un vêtement blanc. Ne craignez ni le jugement à venir, ni l'Ancien des jours, ni le Fils de l'homme. Vous êtes parmi les dizaines de milliers qui servaient Dieu et des centaines de millions qui tenaient devant lui, d'après la vision de Daniel. C'est à Jésus qu'appartiennent la domination, la gloire et le règne. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Voici la promesse de Jésus pour vous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au nom de Jésus, amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô ancien des jours, tu as permis à Daniel de te voir en tant que le juge des nations. Nous te prions pour ceux qui gèrent les nations du monde, en particulier pour notre patrie. Conduis notre président, les députés de l'Assemblée nationale, les représentants au niveau régional, ainsi que les maires de nos communes. Que les lois votées protègent les vulnérables et maintiennent l'ordre, faisant preuve de justice dans ce monde. Juge de tous, nous te rendons grâce pour ta clémence, toi qui as envoyé le Fils de l'homme qui est venu expier les péchés du monde. Nous te prions pour ceux qui sont loin de toi, qui ne cherchent pas ta justice, mais qui veulent se justifier par leurs propres œuvres. Ouvre nos bouches pour que nous annoncions la bonne nouvelle du salut aux autres. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il produise la foi à travers ta sainte parole, ainsi qu'une vraie repentance. Père omniscient, tu connais toutes choses, y compris le jour du jugement à venir. Permets à ton peuple d'être attentif et prêt pour le retour de ton Fils. Quand les chrétiens voient les signes, qu'ils soient sans crainte et se tournent vers toi dans l'espérance de la vie à venir. Dieu de vérité, retiens ceux qui égarent et trompent tes fidèles. Envoie des serviteurs fidèles qui vont semer ta parole, conduire les gens vers Christ et prendre soin du troupeau. Protège tes bergers et tes fidèles qui sont arrêtés à cause de leur confession de Christ. Donne-leur ce qu'il faut dire au moment de l'épreuve. Dieu miséricordieux, aie pitié de tes fidèles, de ceux qui souffrent à cause de ton nom, de ceux qui ont été trahis par les membres de leur famille, de ceux qui sont emprisonnés injustement, de ceux qui souffrent à cause de tremblements de terre, d'inondations et de famines, de ceux qui vivent la réalité d'une nation qui se dresse contre une autre. En particulier, nous te prions d'avoir pitié de tous ceux que nous connaissons qui sont malades et qui souffrent. Dieu bon et juste, tu désires que ton peuple fasse de bonnes œuvres, et c'est toi qui rends capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Fais à travers nous ce qui t'est agréable par Jésus-Christ, afin que tu sois glorifié au siècle des siècles. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.